Door Trellis family. La peine nous dans Delma l'a servi et communauté Delma et en fait l'a servi tout pays hein. Dans l'hôpital ça nous gagne tout service médecine interne chirurgie obstétrique gynécologie pédiatrie et bien d'autres services encore paracliniques tels que radiologie laboratoire pharmacie etc. C'est un gros hôpital il y a à peu près 200 lits. Mais aujourd'hui, nous avons visité plus particulièrement la pédiatrie et la nouvelle salle de néonatologie. C'est dans le but de voir comment on peut améliorer les services de pédiatrie pour commencer les services de pédiatrie à la population. Donc en fait, c'est dans le but ça que nous sommes venus dans l'hôpital le matin et nous sommes accompagnés la première dame. Okay. Mais là, nous connaissons bien des petits cliniques comme il y a de l'hôpital, la paix, l'hôpital général, la SPG. Gen en pile, c'est pas seulement lors de visite yo que nous prend disposition, nous connaît que gen problème dans fonctionnement des hôpitaux, mais n'a travail pour nous capable résoudre problème ça. Mais nous vle tout et faire appel personnel qui travaille dans l'hôpital ça yo à population pour yo capable aider nous kembe l'hôpital yo propre, kembe service yo ouvert pour que tout le monde toujours présent au niveau des hôpitaux. Mais ce n'est pas seulement dans la visite que nous prenons disposition. Nous sommes capables de dire, par exemple, pour l'hôpital La Paix, ça fait quelques mois que nous travaillons sur un plan de réhabilitation de l'hôpital La Paix et nous pensons que le plan ça a commencé à concrétiser. D'ailleurs, nous avons devant pharmacien, nous rénover pharmacien qui va commencer fonctionnel. Nous avons commencé à travailler dans la pédiatrie, nous avons continué à travailler dans la pédiatrie. Ensuite, nous avons passé dans chaque service pour nous capables de réhabiliter. Et nous en mesure de dire que très bientôt, nous allons gagner une salle d'urgence moderne au niveau de la paix. Et c'est sur ça que nous travaillons ces derniers jours. Nous avons visité le service pédiatrie parce que je connais moi-même. Pas ça me penche pour les petits monde pour me regarder dans qui comment ti moun yo yé dans l'hôpital là qui type de traitement yo gagné qui ça a besoin moi moi grand pile travail qu'a fait parce que une nouvelle salle de néonatologie qui presque paré donc moi c'est seul sacrété c'est pour mettre et moun la donne et puis gagné yo un petit problème de génératrice là qui pas stable c'est stabilisé avec un stabilisateur problème n'a résoudre donc c'est deux trois petits bagages techniques qui étaient qui pour faire pour que ça ça li ti moun yo capable servir jeune accès à lui-même donc ti moun de moi là je dis yo donc gen yon ki gen problème et nan poumon gen de l'eau li gen infection pulmonaire moi de ti moun tout qui abandonné pas même te penser que l'hôpital là te ka gen ça ou moun te ka venir pour abandonner petit tout mais comme nous connaissons comment pays aye m'a pour si te ka parler avec bien-être social pour que ti moun yo abandonné pour voir s'il te ka joindre des familles d'accueil pour te ka recevoir ti moun sa pour ti moun sa te ka grandi même chaque tout ti moun avec l'amour parce que ti moun yo c'est ça seulement yo besoin c'est l'amour yo besoin on maman on papa pour aimer yo parce que si yo joine ça yo anti gens comblé donc c'est ça que fait m'a regarder d'ici semaine prochaine si me te ka parler avec bien-être social pour te ka faire une visite tout dans l'hôpital La Paix ti moun que parent yo abandonné pour voir si te ka prendre en charge. Door Trellis family. Thank you.
responsable de l'hôpital là, c'est pour ça que je suis venu, c'est pour au moment qui fait 4 mois, mais je t'arrête mon prochaine visite pour que le sam ka vini m'ka wè service pédiatrie. Ça fait jodi am devini, m'devin garder service pédiatrie, moi wè ti moun yo comment yo yé, ti moun ki gade en pile ti moun ki malade, m'pa m'pat konsa grand pile ti moun ki fait cancer, moi en pile ti moun ki sou ki k'ap fait traitement pour cancer là. Donc état yo stable, yo bien. Bon, il y a pas que mais l'autre sac tout dit j'ai pu frapper moi son série de petit monde parce qu'on est jeudi hein, c'est journée internationale des handicapés. Donc ça abandonné au gain, c'est ça seulement petit monde qui abandonné qui handicapé. Donc me dépasser ouais yo bien que c'est voix pas trop normal, j'ai pas fini trop comprendre même te sourire avec yo, parler avec yo, gagner na yo qui te sourire avec tout. Mais me devler comme si jeudi a marqué journée dans la vie yo. Parce que côté où il y a ce moment, le monde qui vient ouais, vous connaissez, dans l'hôpital qui va dans en structure l'État mais qui en structure privée, mais il y a même tout besoin que l'État prenne soin yo parce que c'est le petit monde qui t'a supposé sur responsabilité l'État parce que maman yo avec papa abandonné. Donc bien-être social, dame qui ensemble avec madame que bien-être social toujours passé ouais yo, ouais comment yo y est, bah faire suivi avec yo, petit monde qui plus ou moins normal yo, l'air fait adoption, c'est toujours le conseil avec bien-être social yo fait yo. Donc, vous visitez moi ça, c'est je tiens, c'est pour ça me deviner dans l'hôpital. Là. Et petit frère. Le 1er décembre, c'est journée internationale. Je dis sida, mais moi-même, je dis de lutte contre le sida. C'est le jour que nous réfléchissons sur tout effort que nous faisons, sur tout ça que réalisons particulièrement en Haïti. Mais le ministère de la Santé publique voulait faire plusieurs activités dans la journée. Ça. Nous avons fait une première activité et une cérémonie officielle caribé. Le directeur général a parlé de ça avec DDO, directeur départemental sanitaire de l'Ouest Tankila. Et puis nous, là, dans le lycée de Pétionville, côté n'a fait une journée de clinique mobile. Dans la clinique mobile, ça, nous te recevoir et n'a continué à recevoir toujours. Jusqu'à date, nous recevoir 468 timoun, reto et filo. Et puis ensuite, 350 et l'autre monde qui sortit dans la population Pétionville. Au cours de journée, ça nous voulait faire ressortir, c'est pour tout le monde comprendre qui s'accida, comment yo capable de dépister yo et obligation que yo gagne pour dépister. Parce que nous la sommes à prier. Dis-nous pour qui ou aller, sans pas parler. Car les familles amies à prier. Car oui, bon Dieu, venez accompagner. Jocelyn, c'est avec un cœur tout rempli de tristesse et de compassion que nous nous tournons vers ta femme Fallon Mizen Chol, ton fils Jason Chol, que tu as tant aimé, ta mère Marie-Claudette Pierre, tes frères jumeaux Junior et Junior Chol, sans oublier Michel Chol, Julien Chol et ta famille, pour leur présenter nos plus sincères et respectueuses condoléances. Cousin Jocelyn, ou même qui t'ayons pour ton mitan dans la famille. Nous pas t'oublier chaque fois les nous rencontrer pour encourager nous à aller à l'école.
ou par contre serrer nous en rien. Tout ça ou te posséder, c'était pour nous. Toutes amis ont été toujours abdis. C'est première fois yo voyez un policier qui sage comme ça. Ou te respecter tout le monde, si le monde tant qu'au grand monde. Conseil ou yo, volonté ou te gagné pour servir pays ou, depuis l'autre est tout petit, continuer dans la police. Mais, ou quitter nous sans pas dire un mot. Ou te toujours comporté un bon citoyen, honnête et respecté. Mais, ou t'as pas quitté nous dans une circonstance tragique. Je quitte 21 novembre 2018 là. Jocelyn chérie, c'est un pile que serait nature en dernier au revoir. Cousin chéri, les trains partent à l'heure et nous sommes tous des passagers. Nous nous reverrons et nous ne t'oublierons jamais, mon cher cousin. Merci. Giron a vu le jour à Gros-Morne le 6 mars 1986. Il était l'unique fils d'une famille de 4 enfants. Dès son très jeune âge, il a vu sa mère rendre en larmes et ceci l'a causé pas mal d'embâge. Il a passé quelques années dans sa ville natale et s'est rendu à Port-au-Prince pour rejoindre son père et continuer avec ses cours classiques. Après ses études classiques, en ayant envie de servir son pays dignement, il s'est rendu à l'Académie de police et est devenu membre de la 22e promotion sortante de cette institution. Alors, pour s'accorder avec les Saintes Écritures, faisant croire que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, Giron a convolé en juste noce Woodline Jean le 24 août 2015. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfant. Giron était un homme humble, intelligent, respectueux, bon musicien, mais tout ceci ne l'ont pas empêché de partir pour l'au-delà ténébreux, car nous vivons tous et mourons tous. C'est une mort vraiment tragique, mais nous devons l'accepter, car nous sommes tous nés de la poussière et nous devons y retourner. Jouon, petit garçon, fiel-moi, cousin, où aller? Ou parti dans un moment de tourment? Bagayo, pas arrêter comme ça. Faut que ça change dans le pays, côté garçon conforme, policier, à tout le monde qui a goûté pour ça changer, va connaître la vie meilleure. Où aller? Que nous reposons en paix. Au cadre de la police nationale d'Haïti, parents et amis endeuillés, policiers et policières en vos titres et grades, mesdames, messieurs, les mots me manquent franchement pour exprimer mes sentiments en cette pénible circonstance, en cette douloureuse occasion où nous rendons un dernier hommage à nos vaillants policiers. 19 novembre 2018, jour inoubliable.
le policier Jouan s'apprêtait à regagner sa base pour prendre service afin de continuer à exercer sa fonction de protéger et servir la population. Lorsqu'il a été pris en embuscade par des bandits armés sans foi ni loi, qui l'ont lâchement assassiné, puis brûlé son corps vif. Crime odieux qui laisse parents, enfants, amis en deuil. Ce crime, mesdames, messieurs, ne restera pas impuni. Nous, du CIMO, sommes déterminés en tant que policiers à poursuivre malgré tout notre mission sans relâche et à traquer les bandits dans leur dernier retranchement, aussi obscur qu'il soit, ceux pour les traîner par devant qui de doit. CIMO un jour, CIMO toujours. Juan, tu nous as devancés sans nous dire adieu. Mais ton sang, je te le garantis, ne sera pas versé en vain. Sois-en sûr. Pars en paix, mon petit frère. Nous t'aimerons toujours. Merci. Deux policiers qui mourent ça. Dans la condition que nous tous nous connaissons là. Ça fait nous mal. Et ça fait nous très mal. Famille et amis policiers qui mourent. Policiers toute grade, toute fonction. L'heure est grave. Pays en guerre avec propre tête. Moun prend plaisir dans tout le monde. Bandit tout le monde. Y a fait vidéo. Y a fait photo. Pour consommation WhatsApp, Facebook et tout l'autre réseau sociaux. Côté bandit ça yo joine zam ça yo. Qui moun ki ba yo zam? Côté yo joine bal. Est-ce que yo tap gen zam? Bal si pat genyen complicité l'autre moun? Pour qui ça l'aime arrêter yo? L'aime saisir zam yo. Nèg goulé vite débarqué dans commissariat, vin lagué yo et vin prendre zam ça nan men. M'a podé. Gen moun k'ap décodé. Et puis y a trompé l'opinion. Y a baï menti. Au final c'est Haïti qui gagne votre mondia. C'est Haïti qui a faibli. Nous tous l'aide. Bien dit. Nous tous, nous très l'aide. Et nous fait payer l'aide tout. N'a pas bandi micro, fait yon comprendre yon son affaire. Qui côté ça va là? Sans pas rendre nous compte, nous fait bandi yon sentir que c'est superstar oui. Nous fait yon sentir que yon katouille, écrasé, brisé, j'en ai oublié. Je dis, on ne peut pas comprendre ce qu'on fait parce que par route, il y a des gens qui mourent.
Messieurs, dames, on apprend nous aimer pays nous. On apprend nous aimer Haïti. Si l'union fait la force, désunion, division, c'est la pérèse et faiblesse qui est pour tout le monde et pour le pays. On oublie zin pour nous chita pito, travailler ensemble pour un pays qui déjà fini crasé. On nous cherche un sursaut d'orgueil pour nous travailler pour le pays. Nous. Tout le temps, c'est étranger qui a venu au là pour nous. Qui bagaille chez manger saint ça? Je dis un gars de côté ça mène nous. Tout policier à la ronde badé. Moi mandé nous pour nous être soudés l'un à l'autre pour nous défendre tête nous. Pour nous faire bon bagaille. Pour nous faire travail nous. Pour nous défendre peuple là. Pour nous défendre pays nous. Pas prendre en provocation. Moi parle. Nous tirer tout pour tirer tigre. Nous c'est peuple là et peuple là c'est nous. Mais nous pas doué quitter bandit faire des points sur nous. Pas à faire aucune mission pour contre nous. Il y a un principe qui relève le principe de masse. Principe de la masse. Battre pour quel que soit ça n'a pas entrepris. Pour nous toujours en supériorité, pour nous pas victimes. Door tell us, fam. La police nationale mène une opération, nous capables de dire son opération marathon, parce que l'été prend des heures pour arriver à épingler et éclater un réseau de gangs qui a opéré dans la zone centre-ville, plus exactement dans la zone rue Pousselaine qui contigue justement à Grand-Rue.
dans le cadre d'opération ça, la police saisit Yon Galil, qui c'est bien police nationale, yon fusil AK-47, un fusil Uzi, deux pistolets du calibre 9 mm, deux bonbonnes gaz lacrymogène, trois cagoules, un gilet tactique, une quantité de poudre qui semblait à cocaïne, 53 cartouches 9 mm, 180 cartouches M14, 16 chargeurs 9 mm, 17 chargeurs 45, 18 chargeurs Uzi, 13 chargeurs M4, 20 chargeurs Galil et 21 radiocommunications, 27 manchettes. Gagné 88 personnes qui interpellés lors de l'opération. Mais pour le moment, gagné 9 personnes qui identifiés dans parmi les personnes que nous arrêtons. Parmi eux, gagné 3 chefs de gang. Saint-Fort Pierre, Richard, Dessous Poles, qui continue que les Mazora, et Sadrak Brice, que nous jouons Galil la même nommée. Et information que nous jouons, t'as semblé que Sadrak Brice t'a impliqué dans l'exécution qui nous est sous réseau jeune petit garçon ça côté que il été tiré. Et toute société a justement parlé de incident ça, de drame ça qui est arrivé côté que bandit exécuté un jeune petit garçon. Gagné tout Edson Sony qui a arrêté. Polycar fait l'OTAN qui a arrêté. Mounès Gay, Bertoni, Modestin et Rosie Claire Carlisson qui a arrêté lors de l'opération Sahara. On a noté que l'opération Sahara était impliqué UDMO, BOIT, SWAT, BIM, FPU, SDPJ qui était impliqué lors de l'opération Sahara. Commissariat Pétionville arrêté Andressi Cadet, qui gagne 35 ans, arrêté sans affaire le 28 novembre 2018. Monsieur habité et Kouadepoué, dans Pétionville. Monsieur tout, c'est sécurité et chauffeur, yon député. Monsieur est à bord d'un poche Cayenne, sans plaque, et était en possession d'un 9 mm Taurus, qui c'est bien l'État haïtien, police nationale. Gagne tout, Mérisier Lionel, qui a 48 ans, qui a arrêté, qui était gain zame sur lui, qui était en possession d'un pistolet de calibre 38, non pardon, d'un revolver de calibre 38, et au niveau d'Elma 42, il y a deux bandits à moto qui stoppés par la police et ils ont gain sur eux 9 mm. Dans le cadre d'opération tout pour débloquer zone corail qui trouvait le bord au naville, gagné un bandit qui te gagne un 9 mm sous lui qui est stoppé par la police. Vendredi soir, et tout réseau parlait de ça, de commissaire de police Flimout Robert, 53 ans, qui est affecté à l'inspection générale. Pendant que les films a fait mes business, à peine, et bandit attaqué et il a tué avec un coup de hache. Il était grand arrivé à l'hôpital, la paix, malheureusement. Nous perdu commissaire de police qui fait graduer, qui sortit dans la dernière promotion, classe commissaire de police. N'a dit que enquête là en cours au niveau de la police, au niveau de la DCPJ, pour que nous capables d'arriver à identifier les gens qui fait Zaksa sous commissaire de police là et mettre maintenant en colère, conduire devant la justice. Concernant le drame qui est arrivé à Miragouane, côté que trois policiers étaient ensemble, dans le Night Club, et dans le Grand Vizio. Pendant qu'ils ont retourné parce qu'ils étaient supposés prendre poste et 23h, 4h du matin, selon l'information qu'ils ont. Voilà qu'ils ont monté la machine. Les policiers qui, derrière, tiré, côté que, gagné un policier agent 1, Jean Alain, 22e promotion, qui prend deux balles dans la vente. Pour le moment, la prend soin de l'hôpital. Gagné tout, malheureusement, policier Alexis Fédouard, 22e promotion, agent 1, qui est affecté dans la prison en Savo, il tué trois balles dans la tête. Et c'est policier Enoch Luma,
22e promotion, qui tuyait policier ça. N'a noté matin aux environs 4 heures, la police arrêté policier agent 1 Enoch Luma, auteur assassinat et tentative d'assassinat policier que nous sommes dit là. Généralement, chaque année, il y a un plan justement qui est élaboré au niveau de DDO, au niveau de DCPA, pour permettre que les festivités fin d'année passent bien. Et c'est certain qu'il y a travail sur le plan et probablement il y a d'autres bagages que n'a pas ajouté parce que on connaît ni la sécurité ni l'insécurité dynamique n'est capable de prendre des dimensions et c'est à la police justement pour adapter. Bon, nous encore une fois et dit à Machanio et continuer justement pour tes collaborations avec la police nationale de manière pour que nous capables d'arriver ou même permettre que sécurité établie dans zone non et empêcher justement bandits et faire la dernière chose. Moi là vous dis pour lancer des travaux, j'en ai un collègue là, que nos gouvernements vont implémenter dans divers départements du pays. Et faut me dire, le pays d'Haïti nous fait face à plusieurs catastrophes naturelles. Et parallèlement à ces catastrophes, nous gagnons en pile crise politique, crise sociale qui a ravagé le pays. Hein? Et dans ce sens, le président de la République, le premier ministre, avec un appui du gouvernement taïwanais, et il a décidé d'intervenir dans divers départements. Et mes femmes disent, départements que je suis censé choisir, c'est des départements côté nous avons de fortes concentrations populaires. Alors, objectif là, c'est créer emploi et permettre à chaque monde, chaque population dans zone populaire, zone à forte concentration populaire, et se prendre pour au moins au combat dans le monde, capable de vivre. Parce que nous connaissons que nous faisons que nous gagnons ou entrer des classes. Et nous gagnons une période Noël qui a approché. Je pense que l'appui du gouvernement taïwanais est arrivé vraiment à point nommé. Et rapidement, je vais vous dans quel département que nous allons intervenir. Dans 6 départements, nous avons le Grand Nord. Et côté que Nord-Ouest, Nord et Nord-Est. Dans le département du nord-ouest, nous choisissons Port-de-Paix. Ça, c'est une zone où on est qui a forte concentration populaire. Dans le nord, nous choisissons la ville du Cap-Haïtien. Et dans le nord-est, nous choisissons Wanamet, tout du nord, et Fort-Liberté. Et au niveau du département de la Tibonite, nous choisissons Gonaï. C'est une zone à forte concentration populaire. Et le plateau central, nous choisissons Hench. Et 6e département, c'est Maman Pemba, si ça voulait l'ouest là. Donc, nous étions exactement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là. Donc, rapidement, je vais le dire exactement dans chaque département ça, et dans chaque zone que nous allons intervenir, qui bon, et je vais le citer pour nous. On prend par exemple et le département du Nord-Est. Dans le département du Nord-Ouest, si nous prenons la commune tout du Nord, nous pourrons intervenir sur Rue Lacroix, pour le monde qui connaît Nord-Est, Rue Saint-Augustin. Au niveau de Fort-Liberté, nous pourrons intervenir au niveau de la rue Saint-Charles, la rue du Quai. Et au niveau de Wanamet, nous avons intervenu Avenue Soleil et Ouigard Routière. Dans le département du Nord-Ouest, nous disons que Port-de-Paix, c'est une zone à forte concentration populaire. Nous avons intervenu au niveau du Nord-Ouest, Avenue des Trois-Rivières, Port-de-Paix, La Tendrie, Rue Notre-Dame, Rue Chalet, après Trois-Rivières, et Rue Trois-Grandes. Ensuite, nous avons au niveau de Hench, nous avons la rue Capo-la-Mort, rue
des petites sœurs, rue du marché, rue Colatte, rue Palma. Mirbalet n'avait intervenu, rue Latrem, rue l'hôpital. Sodo, nous allons intervenir à rue Pétion. Savanette, rue Palma. Et dans l'ouest, nous allons intervenir dans le tronçon Pénier. Route et l'ouverture, quand nous avons des CPG, nous commençons à ouvrir ça fait quelques temps. Nous avons tout pied bois qui est là, nous sommes censés déplacer, nous allons mettre en troisième voie. Et nous avons pont Tabar vers Marassa, ça a été Tabar 27 là, que nous commençons déjà. Et là, sur environ 2 km de pont Tabar là, vers Croix des Bouquets, sur 2 km, nous avons environ un mois depuis nous commencer déjà la donne, nous avons continué dans quatre programmes. Nous avons Cité Soleil. Cité Soleil, nous avons zone barrière, nous avons fontaine, nous avons rapatrié. Nous avons but boyer, nous avons côte plage 28, nous avons route nationale numéro 8, nous avons côte plage 26, nous avons côte plage 28. Que nous avons intervenu, nous avons avenue panaméricaine au niveau de Mont Lazare, et nous avons Delma 2, nous avons Santo 3, route nationale numéro 1, nous avons Morepo 40, nous avons route de rail, quoi des missions, Clercine, qui passait exactement dans la zone côté nous, l'église quoi des missions, qui a sorti sur la place là, et nous avons la zone du marché de tabac, Clercine 15, nous avons Tor 67, zone Charpentier, Monde Givon Carrefour. Nous avons la route nationale numéro 2 à Carrefour, à partir de l'intersection route des rails et route nationale numéro 2 en allant vers le sud. Nous avons l'intersection route nationale numéro 2 et Carrefour par les rails. Ensuite, la rue Larac. Dans le département du Nord, Cap-Haïtien. Nous avons rue 23, la rue 14, rue 21-27, rue 11, rue 8, rue 13 Nord et la rue 26. Au niveau du département de l'Artibonite, si nous prenons Gonaïve comme zone de concentration, et nous gagnons dans Gonaïve environ 5 tronçons de rue, rue El Romain, rue El Nazareth, oui, dans le ciné, Cassoleil, Poussable, Saint-Marc, il y a toute zone Saint-Marc là, et Marchand des Salines. Ce sont des zones sur lesquelles que nous-mêmes, au niveau du ministère des Travaux publics, nous allons intervenir. Et en gros, parallèlement, comme l'Ouest là, son côté extrêmement difficile, nous avons décidé, parallèlement, au moins, et initier des travaux de curage. Et curage après le fait, c'est des curages manuels et mécaniques. Tout le monde qui connaît une zone métropolitaine n'a pas grand côté pour le faire curage mécanique pour pas faire manuel là parce que pas qui tout fait. Alors, faut me dire nos travaux, ça, ce sont des travaux à haute intensité de main d'œuvre et travaux à haute intensité de main d'œuvre là, faut ne pas prendre même genre assainissement qu'a fait et là où il y a, c'est des travaux structurants. Côté m'a fait trottoir, m'a fait caniveau. On prend m'a fait chaussée, et ça m'a fait fossé maçonner. C'est des travaux durables, même après 10-15 ans, ça ne finit pas là, on a brûlé l'état terre. C'est ça que moi-même, moi, projeté pour me faire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. En gros, si on a regardé en résumé, et nous prenons intervenu, par exemple, au niveau de l'Artibonite, là, sur longueur de route de 3642 mètres linéaires. Au niveau du centre, environ 2466. Dans le niveau nord, nous allons intervenir sur 3521 mètres linéaires de chaussée. Et nord-est, sur environ 3418 mètres linéaires de chaussée. Au niveau du nord-ouest, sur environ 4178,57 mètres linéaires. L'ouest, nous allons intervenir sur 11802, ça va environ 11 km de route que nous avons fait dans le département de l'ouest. Donc, ça, c'est un cadre programme à haute intensité de main-d'œuvre. 3 décembre 2001, la presse t'a rapporté
de façon tragique, avec un pile tristesse, la mort d'un journaliste dans la ville Tigouave qui c'est Brignol Lindor. Moi-même, moi, c'est un journaliste de carrière qui, je dis, a une responsabilité dans l'État. C'est le moment pour nous rappeler, date ça, que Haïti, pas de jamais oublier, que nouvelle génération de gourmets pour ça pas reproduire encore, pour que tout journaliste ait une liberté et l'attitude exercer profession suivant sa constitution dit à la République là. Je me dis loi République là, moi je voulais parler non seulement de code pénal là, mais tout de convention et accord que Haïti signe. Nous pas capable oublier que le pays a signé une convention avec un pays étranger ou bien dans cadre coopération internationale, convention ça a intégré législation pays. Donc pour que pas jamais Brignol Lindor encore, nous devons au niveau de l'État, continuer à garantir l'exercice professionnel dans la société. Journalistes doivent eux-mêmes tout respecter les principes qui régissent le fonctionnement du métier. Mais il faut que nous n'avons non pas toléré Radio Mille Collines. Nous connaissons ça, ça fait déjà dans le pays. Catastrophe que ça a engendré. Ça fait bandicap. Pas oser sur radio, faut nous essayer de gérer question ça. Payant, pas de construire 5, 6, 7, 8 sociétés en dedans. Leader d'opinion, yo, moi profiter occasion ça, pour me faire appel à sens responsabilité, non, pour que nous connaissions, nous, seul pays n'a pas construit là, tout le monde. Don't tell us, fam. Sphère d'action, pas yo, et pour assumer responsabilité, yo, pour nous léguer et on le pays à jeunesse là qui l'a jodi. Moi t'ai annoncé et nous ouais image a déjà moi gagne bon côté mon collègue maintenant gouvernement ingénieur Fritz Kayo ministre travaux publics transport et communication qui pral annoncer nous yon gros projet que gouvernement gagne qui pral implémenter à travers la République. Donc pour un pile monde capable joindre service à niveau de l'État. Jean-Renel Senatus. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 18 sénateurs. Le quorum étant régulièrement constaté, je déclare ouvert la séance du mardi 4 décembre 2018. De sensation qu'il a, c'est pas sensation, c'est pas une séance d'accusation qu'il a. Côté n'a pas accusé la police, accuser la police ou encore le CSPN. C'est une séance pour comprendre ça qui passe, comprendre ça qui passe, pour qui ça allait comme ça et qui j'en ai café pour nous retourner avec calme, sérénité, tranquillité au niveau pays à Port-au-Prince, en particulier au niveau département. Qu'un des sénateurs, peuple là. Tout le monde nous rencontrait. Il y a des quartiers qui sont très affectés, quartiers populaires.
nous entendons tout le bagage là-dedans. Ils ont accusé la police, que la police fait massacre. Ils ont accusé gang à bataille avec gang. Ils ont un pile citoyen paisible, victime. Un pile citoyen, enfin de toute catégorie confondue, victime. Ils ont victime parce que gagne couru, gagne prend balle. Ils ont victime parce que bien ils ont crasé, bien ils ont brûlé. La douane, la police, toute victime. Nous devons chercher à comprendre ça qui est là, je dis. Et, il y a plusieurs sénateurs qui ont demandé pour qu'ils prennent la parole, pour qu'ils parlent. C'est un bagage qui est ouvert. Très ouvert, nous allons le faire dans la sérénité. Pour nous permettre à la population de comprendre. Pour nous comprendre tout d'abord nous-mêmes, en même temps pour permettre à la population de comprendre. Pour permettre que la police SPN dise qui ça a fait, qui j'en a fait. Permettre qui stratégie qu'a développé. Permettre qui j'en parle contre la situation. Et qui j'en nous-mêmes tout. Nous avons fait recommandations, nous avons fait conseils, nous avons fait suggestions, nous avons passé mon appel à tout, mon département. Nous avons sociologie, milieu, département contre une sortie. Nous avons géographie contre une sortie à tout. Nous entendons ça, population veut dire non, pour nous essayer de faire ça. Donc, nous avons invité d'abord, dans le cadre de ça, Commission Justice et Sécurité qui en premier demandé pour faire invitation ça. Invitation qui ne rejoint pas en pile l'autre sénateur. Qui vient faire que ce n'est pas seulement la Commission Justice et Sécurité, c'est le Sénat de la République qui fait invitation. Hein. Mais comme c'est la Commission qui est invitée, c'est ça que fait, n'a pas demandé sénateur, président de la Commission ou encore le représentant de la Commission pour faire. Présentation, mise en contexte, situation avant que nous vivions débat. Ministre Justice, là, t'as dû dire le CSPN avec nous. Dans quel niveau dossier, pour qui ça, plutôt, dossier Robert Marcelo, avec dossier à Marie-Alix Garcin Junior, les bloqués dans le parquet de Port-au-Prince depuis plus que 3 mois, alors que nous disons qu'on combat pour nous faire lumière sur le monde qui mourit, nous combat pour nous faire Petro-Caribé avancer. Nous t'as remis qu'on est pour qui ça? Parquet à Kembe dossier, Robert Marcelo et Alix Marie Garcin Junior. N'a fini, président Bundi. CSPN, non? Commission t'a mis qu'on est qui relation ou gagné à Konatel, à radio, à télévision qui n'a pas payé sous affaire sécurité. Nous t'avons aimé comme ça. Nous t'avons aimé comme qui relation, qui accord en matière de sécurité qu'on signe avec Facebook comme pays, avec Twitter, avec Instagram, avec YouTube. Est-ce que y a un accord entre l'État haïtien avec type de réseau ça yo qui a concerné sécurité pays? CSPN, nous, dit qui est aujourd'hui à clé, normalement, qui n'en gang? Qui sénateur qui n'en gang? Et si c'est moi-même, m'a tout retiré vers cela, m'a joué commissaire gouvernement. Mais pays a besoin de compte qui sénateur, qui député, qui n'en gang ou cap, by gang couverture en de pays. Nous besoin qu'on est tout. Qui est-ce qui n'en exécutif là, cap alimenter gang? Parce que nous apprenons, gang pouvoir, à gang opposition, cap bataille, chaque bat pour gagner plus gros territoire. Et puis, peuple a mouru en babal. Nous besoin qu'on est. Et je dis, c'est le moment pour nous connaître. Enfin, je finis, président, pour me dire merci à CSPN, non? À président CSPN, non? Président Seyon, à directeur général police là, qui là, qui te retourné agent sécurité, mais au bon moyen, parce que je finis par le 26, tout agent sécurité, mais au te rappelé. Je me dis merci de ce que nous comprenons. Moi, c'est sénateur, je décide décidé par les policiers, mais l'État doit avoir une sécurité pour me faire travailler. Nous venons là, je nous dis, nous avons une bataille une avec l'autre. Nous venons pour nous garder comment nous sommes capables de mettre le pays à sous rail pour nous avancer. Comment pays ça
quelle que soit classe politique, rang politique qu'on taille, pour qu'on joue jour là-dedans. Pour nous tous, pour nous bon côté, pour ne pas obliger à couper petit nous cacher encore, mais pour nous arrêter vivre en tant pays, Jean. Si on a pour nous gagner, ou qu'on statue sénateur, c'est pour enregistrer pour la police qu'on est âme ça l'en met. Pour leur payer la fait, pour leur saisir les âmes, puis on est, c'est dans tel sénateur que le TI. Toutes les autres âmes le fait pour déclarer illégal. C'est pas normal. On m'a dit que vous financez clé à Mel, son véhicule officiel qui prend, qui chape à elle. Heureusement, ce même véhicule officiel, l'autre filature, la police joue encore il y a de cela 4 jours. Il y a un numéro plaque là. La police dit qu'il y a un numéro plaque là. Tout à fait cessant. Même véhicule ça. Que moi-même, je suis un connaît qui te sauve avec Anel là. La police prend pas plaque avant elle. Dans l'opération que je vais faire. La police se doit aujourd'hui à pour dire qui met machine ça, qui numéro plaque ça parce que l'affecté à un monde. Il faut que le directeur général là dit nous qui numéro plaque machine ça pour qui est-ce que tu es. Il faut que la population en connaît. Et tout à fait cessant. C'est ma première question aujourd'hui. Parce que le monde s'en connu. Il est connu. Il faut qu'on connaît. Qui met la machine officielle ça? La police a un numéro pas là. Si vous n'avez pas un nom, on a une suspension. Pour circulation, il y a un numéro de plaque machine ça. Pour qui est lié? Ou bien directeur DG, il y a un numéro de plaque là. Ou bien assurance, il y a un numéro de plaque là. Lorsque la société veut qu'on ait, Sénat n'a pas prêté bouche B encore. Sénat a souffert trop de questions ça. Comme quoi on ne fout rien alors que nous avons souffert tout dans l'âme nous. Prêt à défendre cette variante population, mais nous ne pouvons pas être tête nous. Toute autorité nécessaire pour nous connaître et pour nous questionner. Et cette série de contrôles, il faut que nous fassions. On veut savoir. Séance tenante. Président, demandez au DG, tout de suite, Président. Séance tenante, Président. Toutes affaires, c'est ça, Président. Demandez au DG à qui appartient. Non. J'ai demandé au Premier ministre pour demander DG. Numéro machine, ça, qu'elle dépend en filature là. Qu'elle dépend numéro plaque là. Pour qui est-ce que lié? Et nous, passer la parole à chef CSPN. C'est le moment pour nous dire la vérité à peuple haïtien. Vérité à tout côté et m'espérer que chef police là que je connais tel que je connais là. Avec capacité le gagner pour que le retrouver calme et sérénité, capable de dire tout, toute la vérité sur question, parce que le peuple haïtien l'a suivi nous. Je dis à ce moment vérité, que vérité a parlé entre nous, et c'est cette vérité ça qu'a fait, que nous tous suspendons les uns contre l'autre, parce que le pays est en danger, insécurité allemande et tout le monde. Nous sommes dit là, président, insécurité a fait ravage. Et insécurité, ça, l'entrée dans ce cycle-là. Pas qu'il y ait investissement dans le pays, il y a tout le temps de sécurité. Pas qu'il y ait touristes dans le pays, il y a tout le temps de sécurité. Pas qu'il y ait production nationale, tout le temps de sécurité. Mais pas qu'il y ait insécurité non plus, si pas qu'il y ait production nationale, si pas qu'il y ait investissement, si pas qu'il y ait tourisme. Donc je dis à ce moment, pour nous tous mettre nous ensemble, pour nous travailler ensemble, pour nous suspendre. Ça divise nous et garder pour nous. Ouais, comment nous unir nous face à fléau ça? Je parle pour ça et je me sens que le Sénat parle pour ça. Ma paye, chef police là, chance pour répondre à différentes questions qu'a posées parce que c'est lui qui a l'opération. Moi-même de côté PAM, qui fait que vini dans le travail ça, qui mérite tout à ici entre là-dedans. Là. Je parle pour me répondre à la question que je réponds. Mais je parle surtout pour me continuer le combat. Combat ça qui est appelé tout Haïtien, tout petit pays. Pour enfin, nous joindre la paix entre nous. Nous joindre la paix dans la famille.
pour qu'on joigne la paix dans les cœurs. Président, merci pour l'opportunité. Dorchelis family. Je n'ai pas fini, Président, pour me demander que nous avons 10 minutes de silence pour tous ces disparus, pour tout le monde ça yo, dans le pays qui a mouru, dans les conditions qu'on connaît. Pour me rappeler tout, que aujourd'hui, il faut nous tous garder tête nous, et pour chaque monde garder qui est le responsable de ce qu'il a fait là. Aujourd'hui, il y a un problème politique, fait que bandit, mettez manteau politique sur eux et dans le manteau politique, vous paraissez comme militant. C'est pour nous dire tout pareil, ça. C'est toute la vérité ça pour parler. Je dis à président. Je demande pour que c'est dans une fraternité que le débat est fait. Comme le sénateur Chérami a dit au départ. Pour pas gagner trop commun, trop arrogance, trop frapper qui fait. Parce que c'est la vérité qui dit la vérité n'a pas cherché. Et cette vérité, ça, qui va le permettre ensemble, nous conjuguer force non contre malheur ça, qui pendait sous notre pays. Malheur ça, qui entrait dans un trail, dans un trail peuple là. Malheur ça, surtout, qui a frappé ça qui vient les rabios. Bien. Précarité aujourd'hui, hein? La accouché tout bagaille. Nous avons travaillé sur l'insécurité, mais nous avons surtout bon travail sur comment on a fait suspendre la précarité, comment on a fait petit peuple à manger, comment on a occupé les haïtiens, hein? Comment ensemble nous allons travailler pour sortir pays à la salle. Automatiquement, nouveau DDO à la charge, lui exécuter l'instruction, mais nous ne savons pas si tu viens une bonne avec. Tel ou tel sénateur. Automatiquement, PM n'a rien de sous ça. Nous m'a dit une mot et des délits. Retournez, monsieur, en urgence. Nous-mêmes, nous avons des questions avec le sénateur. Bah. Ça, c'est ça, question. Hein. Ce n'est pas délibérément, volontairement, que vous voulez mettre le sénateur sans sécurité. Dorchelis family. Grand pile question qui posait. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas répondre dans l'ordre de déposer. Mais nous prenons tout, nous prenons. Et comment la police lui-même était comportée là-dedans. Il y a un point qui attire l'attention. Honorable sénateur Sénatus fait référence à comportement PNH gagné 6-7 juillet. Après, il y a une invitation qui est faite là, il y a des explications qui sont. Et une explication que nous-mêmes nous débattons, on a été mis par surprise. Et ils font parallèle avec la journée 18 novembre, que la police n'est pas présente. Alors, et 19, 18, et nous-mêmes nous inscrivons en fond. Et. Au niveau de la police, lorsque nous sommes informés du mouvement de Galguin, journée 18, c'est dommage, c'est des détails techniques, question de sécurité publique, que nous sommes obligés de bailler, si c'est ça pour capable de rassurer tout le monde. Nous sommes obligés de déployer depuis le 16, nous convoquer tous les policiers depuis le 16. 4 jours, nous demandons 16, 17, 18, 19. Et 18, tout le monde songeait comment la police est gérée question manifestation. Ça. Le 20, de très tôt dans la matinée, Dorchelis family. Il déploie sur 4 jours. Le 19, très tôt dans la matinée, effectivement, nous d'accord, même entre nous, tu as gagné un petit fléchissement dans le déploiement. Mais 8h30 du matin, tout le monde occupé la rue pendant tous les 3 jours, tu as annoncé grève. Et pour preuve,
Et pour preuve, c'est présence nous justement qui te permet à ce que l'école te reprenne. Et pour ajouter pour loi, lorsque dans le niveau pas nous, nous avons constaté que problème mobilité capable pour incidence sous visibilité, renforcement de visibilité nous à travers les rues, j'ai instruit tout l'état-major de la PNH, tout inspecteur généraux, tout directeur centraux, tout le monde qui a des machines police dans les mains, depuis 4 heures du matin, pour nous prendre la rue, viennent renforcer l'élément que nous gagnons sur le terrain. Et c'est ce qui a été. Moi d'aller nos premiers voyages 24 heures dans le Mexique et moi t'ai retourné très tard samedi et hier matin nous t'ai quitté Haïti encore pour aller Trinidad et Cuba que me donner Cuba je dis en retourner faut me dire pendant voyage moi premier voyage en Mexique moi t'ai participé dans l'investiture président Manuel López Obrador, qui c'est le nouveau président mexicain. Hein? Et moi, j'ai eu une chance de parler avec plusieurs autres chefs d'État que j'ai rencontrés qui ont participé dans l'investiture. Et moi, j'ai fait plus de temps avec le président dominicain, hein? Président Medina, que nous avons fait une longue conversation sur la coopération haïtiano-dominicaine. Non? Et sous relation que nous allons gagner dans les affaires d'infrastructures agricoles dans le pays, parce que lui-même actuellement remplit l'infrastructure agricole qu'il a développée dans le pays PAL. Ensuite, je suis retourné à Haïti, et j'en me dis hier, je suis quitté le pays, je suis allé à Trinidad. Je suis participé à une réunion spéciale chef d'État caraïbio sous question marché commun et économie unique. Et il ne faut pas oublier, ça qui est plus important dans le sujet ça, c'est les affaires libre circulation monde dans l'espace caraïbe. Ça veut dire, même Jean-Babad de Soutfel, qui permet à Haïtiens aujourd'hui qui a voyagé librement, il doit aller et tourner sans avoir besoin de visa. Parce qu'il ne faut pas oublier que son espace que lié, c'est pour ça que nous travaillons, mais il y a pile travail nous-mêmes qui bon côté pas nous pour nous faire dans un niveau parlement grand pile accord qui mérite pour ratifier grand pile projet de loi tout qui gagne qui pour voter et nous parlons travail avec président Sénat République là président chambre députés hein, pour nous travail sur pour accorder guide à nous sur agenda législative année qui venir qui pour permettre nous travail pour nous mettre pendulio à l'heure pour nous capables de mettre nous dans une situation côté tout pays dans les Caraïbes là, yo même yo capable de mettre au pas avec nous dans toute démarche que nous allons faire pour permettre des affaires libre circulation des personnes dans l'économie unique qui a parlé les vignes possibles parce que dans les affaires économie unique là pour ne pas oublier
un problème de tarif douanier, ça veut dire le tarif douanier, pour nous capables d'allier nous, il faut tarif nous lié à tarif pays CARICOM. Et nous connaissons bien, il y a plus des autres qui étaient faites dans le temps, dans le pays, hein, ce qui n'a pas protégé les affaires de production par nous. Et nous avons travaillé qu'on y a avec le Parlement pour que loi vote correctement sur ça, pour que nous venions gagner des tarifs qui sont acceptables, qui permettent, qui encouragent, qui font promotion de la production nationale. Il s'agit d'une activité qui est faite par le bureau Première Dame avec le ministère Santé publique et population. C'est moyen pour nous, dans le niveau ministère, pour nous contribuer à l'action gouvernement qui gagne objectif pour porter soulagement de la population dans tout ça qui est capable d'améliorer les conditions de vie. Et nous connaissons santé, c'est une dans yo. Nous connaissons que y a pile problème santé dans la zone de jalousie. En attendant que nous travaillons pour nous mettre en structure de santé qui fonctionnelle en dans jalousie. Donc, il était quand même important pour nous venir porter soins de santé à la population et aujourd'hui. Et c'est dans 4 jours que nous sommes là journée aujourd'hui. Il y a trois journées qui sont programmées. Il y a aujourd'hui, demain si Dieu veut et après-demain. Donc, nous espérons que l'affluence que nous avons aujourd'hui, nous avons environ 1113 personnes. C'est pas que nous pas t'avler continuer demain, mais demain ça va permettre nous arranger bayo avec un petit peu plus d'ordre pour nous passer moins de temps dans le fil d'attente là, etc. Nous avons entré jalousie côté nous venons faire clinique mobile. Dans la clinique mobile ça a gain plusieurs et plusieurs services que offri, gain service pédiatrie pour petit moun yo, gain gynécologie pour mesdames yo, gain ophtalmologie pour moun qui malade dans yeux yo. Il y a dentiste qui l'a tout pour moun yo, mais parce que nous connaissons des fois nous-mêmes nous venons car docteur c'est seulement là nous coucher et prévention c'est lui même qui maître mot là ou vini ou porter service à bay moun en pile fois ou qu'on découvre une maladie qui pas développer ou qu'on prend avant développer et le ça ou nous n'a pas obligé mourir ou bien pas obligé coucher malade. Donc c'est dans ce sens ça et ministère de santé publique mettez ensemble avec le bureau Première Dame pour que nous capotions le service de 3 jours en jalousie, pour que mon jalousie au point de vue santé aille mieux. Je remercie tout. Et dame, comme l'impatabilité pour décider non, qui mettez espace ça à la disposition nous, c'est un business que nous avons fait là-dedans, comme l'Ibo ouvrir, gracieusement l'Ibo non, pour que pendant 3 jours, le service pharmacie a ouvert là. Le monde fin consulté de yoa, médicaments que vous prescrit, ou qu'a venir là gratuit. Donc, je dis tout le monde jalousie, je dis à tes services, à bien demain, à bien après-demain, n'attendons tout le monde, pas attendre de nous coucher pour nous venir voir un médecin pendant que le service est gratuit à profiter de lui. J'associe ma voix à celle du peuple haïtien qui partage avec vous toute la beauté et l'amour et l'utilité de la langue française. Car Haïti demeure l'un des pays
les plus florissants en matière de production littéraire, artistique, en ce qui a trait à la langue française. Ce forum, organisé sur le thème « Soutenir le développement de l'entrepreneuriat », est venu à un moment où le gouvernement mobilise l'ensemble de la fonction publique à recréer un climat convenable aux investisseurs, mais surtout à celles des jeunes et aux jeunes femmes. À ce titre, il n'y a pas longtemps, ici même, le ministère a lancé le programme d'appui pour l'entrepreneuriat jeunesse, qui a son surnom PAPEJ, qui vise à encourager l'entrepreneuriat jeunesse en vue de créer beaucoup d'emplois, ce qui va avoir des incidences positives sur l'économie nationale. Le gouvernement, tout en étant très favorable à ce forum, croit de même que vous, les jeunes, qui constituent l'épine dorsale de cette économie, le vecteur du développement d'Haïti, a continué à participer à ces événements qui peuvent vous donner l'opportunité de faire du réseautage et de découvrir des opportunités entrepreneuriales. Chers amis, mesdames, messieurs, le monde d'aujourd'hui est assiégé par un ensemble de sentiments et d'idées qui entravent son avenir et la paix durable. L'extrémisme qui culmine avec la montée du repli de soi, le refus de l'autre, le chauvinisme et le populisme repoussant toute logique de vivre ensemble et de l'altérité sont des dangers pour l'humanité. C'est pour cela que la République d'Haïti applaudit vivement la francophonie pour ses efforts de rapprocher les cultures et les peuples, et plus encore de créer une initiative entrepreneuriale au sein de la Caraïbe. Son Excellence Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, aurait souhaité être aujourd'hui parmi nous pour ouvrir ce forum, parce qu'elle a un amour particulier pour la jeunesse et les femmes. Même ma collègue qui est ici peut témoigner, lorsque nous faisons des missions avec elle dans les pays de la francophonie et qu'elle se retrouve au milieu des jeunes et des femmes, il est souvent difficile de respecter le programme. Elle peut emporter témoignage. Donc, elle aurait voulu faire le déplacement. Malheureusement, le contexte ne lui a pas permis d'accomplir son souhait. Elle me charge donc de vous transmettre ses chaleureuses salutations ainsi que l'expression de l'engagement de notre organisation à rester mobilisée aux côtés des populations d'Haïti et des autres pays des Caraïbes, de leur gouvernement, de leurs institutions, pour promouvoir le développement économique, social et culturel en vue de faire rayonner dans la région le flambeau de la francophonie. Le 1er janvier, après nous 215 ans, nous remettons pour Dieu en charge, qui l'ouvre nous. Parce que le peuple haïtien n'a pas mérité ça, moins là. Nous pas travaillé pour ça, c'est pas raison de bataille là. Nous croyons que, 1er janvier, je dis à nous annoncer dans la presse, on l'obtient, là va 2 jours, pour nous faire bailler, on marche de gloire et de louange à l'éternel. Marche de gloire et de louange à l'éternel, c'est une belle bagaille. Ou pas besoin de l'évangile pour être là. Quoi seulement? Quoi que bon Dieu a délivré, ou quoi que bon Dieu a délivré Haïti? Journée, 1er janvier, 2 heures là. Toute l'église y a invité. Il a gagné 2 chars qui a conçu avec Totobit. Nous gagnons belle défilé, une belle marche avec artistes évangéliques. Meilleur yo, cap défilé, avec toute l'église yo, sur route là. N'a bien pile chorale, n'a bon stand tout, cap permettre que gen moun qui capable de pas quoi, cap prêter. Nous gen 2 chariots, mais journée ça son journée cap loup la menon. N'a bien 10 anges yo, n'a bien 6 moun, n'a bien adorateur yo, n'a bien
pile charme. Côté tout le monde invité, que le catholique, chrétien, nous tous, nous déplacons tout là. Tout le monde a tout de blanc. Non, personne ne dit que nous en harmonie. Moun qui est capable d'offrir un bouc, un jeb, fleur, tout ça. N'a pas de poteau, n'a pas décoré poteau, yo. N'a pas mis des fleurs sur route là. N'a pas enveloppé papier, en blanc, en vert, poteau, yo. C'est un jour vraiment que n'a pas senti nous en harmonie pour la première fois. Nous pas font un bagage que l'histoire a compris un jour. Pour nous dire, bon Dieu, bah, nous passage. Et nous parler de violence. Nous voulons l'autre pays. Pays que ancêtre était rêvé, un pays qui te permet que en pile monde mourir, qui te permet que il te baille force avec soldats pour nous te bataille avec l'armée la plus puissante à l'époque, qui fait de Haïti le premier peuple noir libre et indépendant, la plus belle épopée, l'épopée unique dans le monde. Projet ça. Qui gagne pour 1er janvier et grand marche de gloire qui fait et sous route de l'aéroport là. Eh bien, nous avons un chita avec mais là pour nous définir quelques points stratégiques côté que nous avons bien pour nous mettre et policiers et façon nous bien pour nous faire déviation parce que jour ça c'est vrai, nous bien marche là sous l'aéroport là, mais gagne monde qui bien pour utiliser route là. Route là, n'a pas fermé, c'est vrai, mais il faut que nous faciliter tout pour régler l'activité. Nous avons défini une série de points. Le magistrat est disponible pour le bon séparateur pour nous bloquer. Côté n'a bloqué, et puis pour nous dévier circulation, pour les gens qui ne peuvent pas participer à la marche là, pour nous mêmes, ils ne sont pas victimes, parce que pour être capable de vaquer normalement l'activité. Et la marche là, nous avons quoi que la fête sur route, c'est parce que nous avons pris en contact avec au commandement, en ce qui s'agit de backup, il y a bien pour voyer vous non, il y a bien pour voyer vous non l'enjeu ça parce que nous t'ai fait pour carnaval là qui c'est un lot et maman Pemba, nous t'ai fait pour carnaval là sur route de l'aéroport là déjà et côté que gien moun qui t'a boire alcool et gien moun qui t'ai vraiment actif, pas de rien qui t'est passé, nous marche qu'a fait pour bon Dieu qu'a fait sur route de l'aéroport là à plus forte raison. Nous rétons quoi que si nous mobilisons même quantité effective ça, pas de rien encore qui a passé. Et Jean-Pasteur a dit, nous invitons tout le monde, et quand vous venez, vous mettez venir en toute quiétude, pas de rien qui a passé parce que la police disposée est disponible pour assurer la sécurité. Vous êtes les artisans des revenus que nos chers concitoyens empochent et qui font marcher notre économie. C'est par les risques que vous prenez tous les jours et grâce à vos ambitions que se réalise notre produit intérieur brut. Nous voulons sa croissance. Nous voulons le voir augmenter. Notre pays, donc, voudra une fière chandelle. Nous, au ministère du Commerce et de l'Industrie, en vous témoignant notre reconnaissance, nous allons appliquer avec vous la politique commerciale et industrielle du pays. En fait, ce que je veux, moi, en tant que ministre, c'est gagner. Et je ne saurais le faire sans vous. Optimiser nos ressources, être efficient et faire efficacement ce pourquoi je suis là et implémenter la vision économique du gouvernement, lequel s'est engagé à améliorer les conditions de vie de la population. Nous sommes tous là pour la même chose. Nous, je ne suis pas du secteur privé, vous n'êtes pas du secteur public. Nous tous, ces Haïtiens,
nous tous sommes seul bagage nous besoin pour Haïti marcher. Et c'est pour ça que je salue encore l'initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie pour nous accompagner, pour justement faire de façon qui t'aime fait cob, tant moins dans Carrefour, impôt. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Que la DGI fasse son travail, que nous autres, nous gagnons, nous créons la richesse et que nous payons nos taxes. Et c'est pour ça que nous prenons, et nous avons déjà l'engagement de payer nos taxes. Si vous regardez la liste des 200 plus grands contributeurs, contribuables de l'État, c'est nous autres. Donc, je vous remercie encore, je salue et je lève mon verre à la santé de tous et que à la fin de l'année prochaine, nous serons tous ici présents. Merci. Non, tableau que nous avons gagné, il y a un siège qui a trois membres là-dedans qui sont normal, mais il y a un autre siège qui a quatre membres là-dedans, alors que le tableau a trois. Dans ce sens-là, le nous analyser au niveau commission, pièce, chaque postulant ça dans le cadre là, nous avons normal, il est légal, il est capable d'aller. Mais la question de l'examen que nous avons fait de vous, dans la présentation que nous avons fait devant la commission, nous estimons là, pour que tu aies gagné une élection qui fait dans le siège 6 entre deux postulants. Postulant GLR Normil et postulant René Sylvestre. Et c'est là nous allons continuer le travail. Pour dossier, deux postulants, légalement, ils ont rempli les conditions. Légalement, il y aura les conditions pour une juge à la Cour de cassation. Pour le commissaire Sylvestre, la commission est allée plus loin pour le questionner puisque l'ICE membre CSPJ et loi sous CSPJ a dit qu'il n'y a pas qu'à joindre l'autre poste, même à égalité en dans appareil justice-là. Nous allons vérifier est-ce que M. Sylvestre l'a démissionné comme membre CSPJ. Nous avons le plat dans le dossier qui montrait que l'a démissionné. Ainsi donc, dans nos commissions, nous avons demandé à l'Assemblée sénatoriale pour nous passer au vote en deux candidats, qui sont candidat GLR Normil et candidat René Sylvestre. Et ça, nous-mêmes, nous choisissons comme Assemblée. N'a pas permettre de nous compléter siège 3 pour nous cavouiller par exécutif là, Jean la loi et constitution. Nous avons 6 postes vacants au niveau de la Cour de cassation. Nous avons acheminé déjà 4 sièges par exécutif là. Nous étions 2 pour nous voir balayer et nous allons prononcer nous sur 2 sièges ça. Côté, dans le dernier moment, nous avons buté sur un cas, côté Assemblée a demandé explication sur lui. Côté M. René Sylvestre, de besoin vérifier en tant que membre du CSPN, est-ce qu'il gagne en lettre démission? CSPJ, est-ce qu'il gagne en lettre démission? Et comme de fait, dans le dossier dit, nous constatons qu'il gagne en lettre démission, nous attendons que mon séance plénière, on en jour de séance statutaire pour nous capables de prononcer notre cas. D'abord, le siège 1, qui est composé, siège 5, composé de Franz Brice, à Altenor Barthélemy. Rodeline, c'est Joseph. Dans le siège 1, nous avons demandé à tous les sénateurs qui, pour siège ça, dans la proposition, levez-moi, s'il vous plaît. Pour siège 5, Franz Brice, je reprends encore Franz Brice, Altenor Barthélemy, et puis Rodeline, c'est Joseph. Nous avons demandé aux sénateurs plus attentifs encore, plus capables de parler au moment des bureaux, qui est-ce qu'il a dedans. Très bien. Merci. 12 pour ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Siège 5 ans, adopté. Siège 2. Avant de nous faire vote sur siège 2A, nous avons deux cas. Nous avons M. Gélère Normil, c'est bien ça? Et M. René Sylvestre. Dans deux cas, nous allons consulter l'Assemblée à tour sur deux mounsaos pour connaître qui est qui gagne plus grand nombre de votes
connaît définitivement qui en siège 6 là a composé. Ceux qui sont pour René Sylvestre, s'il vous plaît, levez la main. Ok. Et le sénateur Cado aussi. 12. Merci. 12 pour, c'est ça? Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. René Sylvestre. S'il vous plaît. Non, écoutez. Ah, ok. Alors ça. René Sylvestre. Mais ça fait 13 pour une semaine. Très bien. Non. Jean-Renel Senatus. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 18 sénateurs. Le quorum étant régulièrement constaté, je déclare ouverte la séance du mardi 4 décembre 2018. Sensation qu'il a, c'est pas sensation. C'est pas une séance d'accusation qu'il a. Côté n'a plus accusé la police, accuser la police, ou le corps de CSPN. C'est une séance pour nous comprendre. Comprendre ce qui a passé. Comprendre ce qui a passé, pour qui ça a comme ça, et qui j'en ai fait pour nous retourner avec calme, sérénité, tranquillité au niveau pays. Pays, Port-au-Prince, particulier au niveau département. Gain des sénateurs, peuple là. Tout le monde nous rencontre, il y a des quartiers qui sont très affectés, quartiers populaires. Nous entendons tout le bagaille là-dedans. Ils ont accusé la police, que la police fait massacre. Ils ont accusé gang à battre avec gang. Ils ont un pile citoyen paisible, victime. Un pile citoyen, enfin de toute catégorie confondue, victime. Ils ont victime parce que gang couru, gang prend balle. Ils ont victime parce que. Bien yo crasé, bien yo brûlé. La douane, la police. Tortellus fam. Nous pouvons chercher à comprendre ça qui est là, je dis. Et, il y a plusieurs sénateurs qui ont demandé pour qu'ils n'ont pas été, pour qu'ils prennent la parole, pour qu'ils parlent. C'est un bagage qui est ouvert. Très ouvert, nous pouvons le faire dans la sérénité. Pour nous permettre à la population de comprendre. Pour nous comprendre tout d'abord nous-mêmes, en même temps pour que la population comprenne. Pour permettre que la police SPN dise qui ça a fait, qui j'en a fait. Permettre qui stratégie a développé. Permettre qui j'en a contrôlé la situation. Et qui j'en nous-mêmes tout. Nous avons fait recommandations, nous avons fait conseils, nous avons fait suggestions, nous avons fait un peuple à tout, nous avons un département. Nous avons sociologie, milieu, département, côté de sortir. Nous avons géographie, côté de sortir à tout. Nous entendons ça, la population veut dire non, pour nous essayer de faire ça. Donc, nous avons invité d'abord, dans le cadre de ça, la Commission Justice et Sécurité, qui en premier demandé pour faire invitation ça. Invitation qui ne rejoint pas en pile l'autre sénateur. Qui vient faire que ce n'est pas seulement la Commission Justice et Sécurité, c'est le Sénat de la République.
qui fait invitation. Hein? Mais comme c'est la commission qui a été invitée, c'est ça que fait, n'a pas demandé sénateur, président de la commission ou encore le représentant de cette la commission pour faire présentation, mise en contexte situation hein, avant que nous vivions débat. Ministre Justice, là, t'as dû être dans le CSPN avec nous. Dans quel niveau dossier, pour qui ça, plutôt, dossier Robert Marcelo, avec dossier à Marie-Alix Garcin Junior, les bloqués dans le parquet de Port-au-Prince depuis plus que 3 mois, alors que nous disons qu'on combat pour nous faire lumière sur le monde qui mourit, nous combat pour nous faire Petro-Caribé avancer. Nous t'avons aimé qu'on est pour qui ça? Parquet à Kembe dossier, Robert Marcelo, avec Alix Marie Garcin Junior. Nous avons fini, président, pour nous dire. CSPN, non? Commission t'a mis qu'on ait une relation ou gagné à Konatel, à radio, à télévision qui n'a pas eu de temps. Nous t'a mis qu'on ça. Nous t'a mis qu'on ait qui relation, qui accord en matière de sécurité qu'on a signé avec Facebook comme pays. Avec Twitter, avec Instagram, avec YouTube. Jusqu'à présent, quand on parle de la formation professionnelle ou de l'éducation non formelle, on s'est limité seulement à quelques individus. Or, différents ministères œuvrent dans la même action. Donc, pour une fois que vous avez réussi à ramener tout sous un chapeau, bravo. Et je pense que monsieur le coordinateur principal qui est en face de nous, avec l'énergie que je pense vous connaître, vous saurez nous amener là où il faut. En tout cas, j'ai vivement l'espoir que cette fois-ci, ce dossier va beaucoup avancer. Il s'agit de la moitié de la jeunesse de ce pays, au moins. Et il nous faut trouver des solutions éducatives alternatives. Et mon rêve, et ce que j'ai toujours fait depuis qu'on est là, avec les différents secrétaires d'État et autres, c'était de nous assurer qu'on ait une formation, une approche intégrée et systémique. Qu'on ait avec l'alphabétisation quelque chose de cohérent pour donner des métiers, pour qu'on ait des techniciens de base, de bonne qualité. Conformément à la décision ministérielle en date du 19 octobre 2018, portant sous la constitution de ce groupe de travail, la mission essentielle de cette entité est de travailler à l'élaboration de la politique d'éducation non formelle en tenant compte de toute la documentation déjà disponible aux objectifs en éducation. Nous-mêmes, membres de société civile, là, filles et garçons, bonne volonté, rêvez pays ça à tout cœur nous. Travaille tout bon vrai pour le développer. Rôle nous, c'est participer à la transformation de la société ça. Comme ça, nous demandons pour nous résister en bas toute pression, intimidation et manipulation. Petite fille et petite garçon pays Haïti, tout ça nous sortit pas utile en rien, tout autant poison yon nous. Pas fait l'autre confiance là, continuer à gâter relation nous. Nous devons reconnaître ça. Confiance qui pas gagné dans mitan nous, parce que yon peut l'autre, empêcher pays noir avancer. Nous devons lutter contre ça, combattre ça à amender, pour nous former conscience, nous, pour nous apprendre à vivre dans la vérité, apprendre à respecter parole et engagement, nous, suspendre fait coquin. C'est ça qu'a fait nous tourner citoyens conséquents, tout bon vrai. Maman Marie a fait route avec le peuple haïtien. C'est un modèle de confiance à cœur sensé pour tout le monde. Les pas de jambes désespérés,
ni perdu confiance, même dans pied la croix. Chaque fois nous gardons mon mari, nous voulons croire comme tendresse à affection, c'est une force qui porte changement. Pape François, l'exhortation post-synodale, Évangélie Gaudium, numéro 288. Cette Noël-là, c'est bon Dieu qui fait nos confiances dans petite Lia, qui montait tant de lits dans mitan nous, et puis qui vient faire yon, qui vient faire yon capable de faire notre confiance toujours. Petite fille, petit garçon Haïti, puis gros, ça nous souhaiter pour fête Noël 2018 là, avec année 2019 là, c'est pour nous avancer et puis arriver dans un vrai contrat confiance. Qu'a permet peuple nous en râler nous souffre tout bon vrai. Nous l'avons gros projet ça dans mes moments nous, Notre-Dame du perpétuel secours, une façon pour grâce à ton couli, les capables de tourner en réalité. Son invitation qui concernait trois dossiers essentiellement. Dermalog, parce que Divini presque en courant, tellement de Dermalog parlé dans le pays. C'est faire fonds d'entretien routier. Côté commission, plus particulièrement sénateur, t'as besoin d'une idée de ça qu'a passer, ça va régler à l'intérieur du programme FERE. Et le FNE, Fonds national de l'éducation, c'est gagné des correspondances qui déjà adressées à BRH et qui c'est institution qui était appelée pour collecter pour nous, en façon pour gonfler, font ça. Il y a un rapport qui sorti de la BRH qui rejoint le sénateur déjà, tout sénateur qui est copié, et c'était à la demande de pas mal de sénateurs, mais de façon toute particulière d'un sénateur Dumont. Et Dortelis, mais d'entrée de jeu, on avait commencé avec le dossier Dermalog. Et pour ce faire, on a demandé président de la commission éthique et anticorruption, le sénateur Liu et la Tortue, pour lui non seulement font mise en contexte, mais tout commencer à poser le problème des malogrants dans toutes dimensions. Contrat qui s'allie, son contrat nous fait avec mon film des malogrants pour Yoka moderniser le système d'identification. Mais nous-mêmes, on peut le mieux légal. Là, nous gardons nous que le contrat n'a pas signé par pour les comptes. Nous allons dans pour les comptes pour nous connaître pour qui ça n'a pas signé. Là, nous arrivons, nous jouons deux avis de pour les comptes. Il dit, il n'y a pas de nécessité, en résumé, il n'y a pas de nécessité pour que vous signez un contrat ça, parce que on n'y a pas montré que justement, il y a besoin ça techniquement, il va montrer pour qu'il ça il va payer, confirme 27 millions de dollars. Parce que vous connaissez des confirmes qui étaient là déjà. Il a demandé au ONI, la première, ça c'est pour là, il a demandé au ONI expliquer pour qui ça ouvre, si techniquement. Quand il a retourné même jour encore, et pour des comptes, il baille même à via. Il dit, il n'y a pas de signe. Ça, c'est deux avis que pour les comptes bail, côté il dit, contrat ça, il n'y a pas justifié pour l'État de passer comme là. Dortelis family. L'heure que nous apprenons que on y, au niveau de cours des comptes, il n'y a pas signé un contrat, nous-mêmes, nous avons fait enquête, nous, pour que nous vérifions justement qui problème qui est.
et nous contacter firme qui était là avant, qui les même remettre nous en évaluation. Côté nous même nous dit, pour y faire même travail ça, que l'État haïtien va payer 27 millions de dollars, mais à Rio, côté y a modernisation de la plateforme, y a évalué, y a fait un rapport d'évaluation, y a dit y a besoin 2 900 000 dollars. Mais rapport yo, côté yo dit, et Finland dit Smartmatic. Yo dit que yo besoin 2 900 000 dollars. Pour yo faire travail là. Et contrat d'ici pour 27 millions de dollars. Pour moderniser le système d'identification nationale là, l'État haïtien conclut un contrat avec Dermalog, qui est une firme allemande. Et pour qui ça? Dans un premier temps, nous classons le contrat dans la catégorie sécurité nationale. Suivant arrêté de 2009, laisser relever du domaine sécurité nationale, gagner une procédure qui est tracée pour conclure le contrat. Et carte d'identification nationale, le relever dans le domaine sécurité nationale. Et spécificité contrat permettent de conclure un contrat gré à gré par rapport à même arrêté. Premièrement, sur question de sécurité nationale, l'État a habilité donc à agir dans le sens où il conclut un accord avec institution qui gagne spécialité pour sa cabaye carte d'identification nationale là. Spécificité pour faire que un contrat de gré à gré est rempli par la loi. Donc, il y a un coup de compte. Alors, d'abord, CNMP qui baille un avis conforme. Ensuite, construire des comptes et du contentieux administratif qui fait des recommandations. Il fait des recommandations qui pour améliorer, pour permettre le contrat et avancer. Et recommandations pour des comptes, il fait recommandations que l'idée demande au. Vous rentrez dans le contrat. Pour des comptes demandés pour ouvrir un appel d'offres par rapport à notre entreprise, pour ne pas considérer seulement l'entreprise. Ça. Et d'après arrêter ça, lui permettre de conclure un contrat de gré à gré, plus spécificité matière qu'il y a traité sur l'IA. Et donc, il n'a pas demandé un avis. Pour les comptes, nous avons favorable. Nous estimons que avis est recueilli. Nous avons dit avis pour les comptes, et bien avis favorable ou défavorable. Donc le fait que avis pour les comptes a recueilli au sens où l'immander un ensemble de recommandations et que vous rentrez les recommandations dans le contrat, ça fait que après une résolution du Conseil des ministres, une résolution du Conseil des ministres autorisée. Qui va avancer avec le processus-là. Là que vous choisissez vraiment là, parce que c'est seulement vraiment là qui fait 3 biométriques systèmes, qui veut dire que vous avez checké les yeux, facial, avec fingerprint, cross-reference, pour assurer que vous matchez, que c'est vous savez. Okay? Donc là que vous faites décision ça, parce que par exemple, votre compagnie, c'est facial avec fingerprint, ou bien c'est fingerprint seulement. Okay? Donc, nous choisissons ça qui est plus avancé que possible pour que nous plus avance sous ce système-là. Donc, je suis avec eux, nous négocions le matériel hardware-là, pour nous voir quelle qualité hardware nous sommes capables de vendre nous-mêmes, qui va permettre nous à continuer sans que nous ne soyons obligés de dépenser 27 millions de dollars, après nous dépenser 50 millions. Dans 2014, après 4 ans, le système n'était pas un problème. Alors 3 ans, parce que depuis avant l'entrée, tout le monde a plein. Donc, nous cherchons une solution pour remplacer un système avec une technologie qui est plus avancée. Donc, nous avons cherché un système pour plus avancé. Il n'y a pas seulement été avec des applications qui sont sur le système, parce que actuellement, nous avons tellement de problèmes dans le système pas loin. Moun qui fait dans l'année 96, 97, 98, nous ne sommes pas capables de faire le contrat. Nous enregistrons, nous ne sommes pas capables de produire le contrat.
Mais juste que nous ne sommes pas capables de faire un numéro. Parce que l'algorithme qui a été choisi, qui a fait à l'époque, 2014, il n'y a pas un algorithme qui est fiable. Je t'avais essayé de mettre à faire par la même date et mois qu'on fait, année qu'on fait, commune, combien de monde dans la communauté, et puis dans tout calcul, ça vient permettre que vous calculez à 10 000 personnes dans la commune. Actuellement, nous déjà dépassé. Donc, avec le problème que nous gagnons dans le système, avec ni application, ni matériel, hardware, computer, nous permettons à chercher une solution et c'est un bagage qui est réellement une urgence pour ces personnes. Parce que Mabzou, l'accord que j'ai entre novembre à novembre, nous enregistrons 1,1 million dans le système. Nous avons produit 500 000 cas. Tout d'abord, à vous remercier de votre présence ici ce soir, car elle témoigne de l'intérêt que vous portez au pays, à nos enfants, surtout ceux qui sont les plus vulnérables. Nous faisons partie de ceux qui croient que le développement d'Haïti passe par l'entraide et la solidarité haïtiano-haïtienne. Notre principal objectif est d'offrir des services communautaires dans différents domaines, mais avec un accent porté sur la petite enfance. C'est dans ce même esprit que la Fondation Clairé Haïti veut lancer son projet de construction d'une clinique moderne pour enfants dans le département du Nord-Est, de l'arrondissement du Trou du Nord, plus précisément dans la commune de Terrier-Rouge. Le souci premier de la Fondation, c'est qu'aucun enfant doit être mis à l'écart, côté santé, du fait que les ressources de ses parents soient limitées. Le choix s'est porté sur cette région en pleine expansion, car une structure médicale pour enfants fait défaut dans la zone. De plus, la clinique sera ouverte à l'Université de Limonade qui d'ores et déjà peut offrir une carrière médicale à ses étudiants, sachant que le lieu de leur stage est garanti. Ce projet répond à un besoin constaté dans le département en matière de santé pour enfants dès leur venue au monde et l'absence des lits et l'absence de lits dans les centres existants. D'où la prise en compte d'un espace de maternité sur le site même de la clinique et la disponibilité d'une vingtaine de lits et de deux blocs opératoires. Il s'agira donc d'une clinique hospitalière mère-enfant avec un accent porté sur les soins pédiatriques. Mesdames et messieurs, un tel investissement dans la zone aura des effets positifs sur la qualité de vie de la population, particulièrement les mères et les enfants. Le but ultime est de faire de cet hôpital un lieu fournissant des soins de santé de premier choix pour les enfants et les adolescents. La conception du bâtiment prend en compte les facteurs d'innovation et de durabilité, tant du côté énergétique que dans le traitement des rejets de produits sur le site. Le bâtiment sera construit tenant compte des normes parasismiques, sachant que nous vivons dans un pays à fort risque de secousses. L'accès à la nature contribuant à la guérison, la clinique a aménagé des espaces verts extérieurs, respectant ainsi les engagements envers l'excellence médicale et l'environnement. L'espace offre aux médecins, professionnels de la santé et employés un environnement de travail moderne et des espaces conviviaux pour ceux qui auront à séjourner plus longtemps parce qu'ils n'habitent pas dans la zone. Pour réaliser ce projet, je compte sur le support de tout un chacun, car le projet est ambitieux. Il faut oser. La vie de milliers d'enfants en dépend. Je remercie tous nos partenaires qui, dès le début, nous ont assuré de leur soutien. Chers invités, vos dons ce soir seront grandement appréciés, surtout par les enfants qui vont en profiter. Mais nous sommes encore loin du but. Nous devions collecter davantage pour mettre le projet sur pied. Ainsi, tous les fonds collectés ce soir seront utilisés dans la construction de cet hôpital dans le département du Nord-Est. Mesdames et messieurs, soyez généreux. Le projet est ambitieux, je me répète, et nous en sommes bien conscients. Mais sachez que pour nos enfants, aucun sacrifice n'est trop grand. Fondation Clairé Haïti voulait à toute qu'elle, pour te dire, je parle, dans la construction société
côté tout le monde qui vit bien. Pendant que nous pensons à Timounio, yo qui pipiti, yo qui se base société. Si nous pas encadrer au début jodi, nous pas jamais arriver joindre une société que nous tout a prévu. Merci parce que nous voulons participer dans gros travail ça. Merci parce que nous voulons montrer Timounio qui j'ai yo compté pour nous. Merci parce que nous voulons montrer yo qui j'en aurais meilleur. Présence nous dans lancement activité ça, montrer yo l'autre fois que solidarité yonak lot la possible. Avec artistes et artisans, nous travaillons en pile pour nous réserver si yo ka gen bon standard pour yon ka vann dans n'importe qui l'autre pays. Nous te lancé un concours sous thème Haïti clair jodi, la vie meilleure demain. Zev artistes yo te montre yon l'autre fois que nous gen en pile talent la caille nous. Gen yon groupe qui t'a prend formation dans pays Colombie. Moi dis nous messieurs dames, moi fier de nous. N'a continuer de travailler ensemble pour nous éclairer Haïti tout côté nous passer. Pour mesdames qui voulaient pas dépendre des monde, fondation mettez sous pied une série de formations sur leadership avec l'autre encore qui ca aider nous renforcer tête nous. Lorsqu'on sauve, rêve vous vienne plus grand et vous gain plus chance pour aller plus loin dans la vie. C'est un pile projet, nous connaît. Mais avec un pile volonté, avec détermination, avec solidarité, n'a privé atteindre tout objectif. Je ne saurais terminer sans remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cet événement. Nous sommes au début de vastes chantiers. Ensemble, nous allons construire quelque chose de positif pour les enfants qui sont dans le besoin. Merci de votre support. À vous, chers invités, merci. Ensemble, on continue de travailler, juste nous réussir, clairer Haïti. Soins à proximité à la population. Mais nous connaissons que dans le cadre de l'apaisement social, nous faisons encore beaucoup plus de cliniques mobiles et pendant le mois de décembre, nous gagnons même un programme clinique mobile que nous avons organisé un peu partout, surtout dans la région métropolitaine. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui explique la présence. Nous jalousie depuis lundi, côté nous gagnons depuis mardi. Côté nous avons gagné 3 jours de clinique mobile et nous sommes capables de dire que nous avons 4000 personnes, à date nous avons 4000 personnes qui ont été dépistées pour malaria, pour tuberculose, pour sida, pour maladie non transmissible, ça veut dire pour sucre et tension. Tension, hypertension plutôt, moun toujours dit tension, mais c'est hypertension. Yo dépisté pour ça et puis gagne toutes les spécialités de base telles que médecine interne, pédiatrie, chirurgie, obstétrique, gynécologie, vaccination. Et jodi, nous gagne soins dentaires. En ajoutant ça, nous gagnons soins dentaires et soins ophtalmologiques. La clinique mobile que le ministère de la Santé publique a organisé, je dis, ça fait 3e jour que nous passons. Et comme le ministre l'a dit, tellement de demandes, tellement d'engouement, tellement de monde voulait, tellement de monde a besoin de ça, ils sont obligés de prolonger le bonjour. Ils devaient prolonger le plus jour, mais malheureusement, ils ont une autre clinique qui planifie l'autre côté, qui fait qu'ils ne peuvent pas arrêter plus de jalousie. Mais en plus de venir dans la clinique mobile, jalousie,
il y a un espace de jalousie que le ministère a déjà identifié. Il va regarder pour comment il a réparé, mettre matériel là-dedans, mettre monde, ça veut dire mettre médecin, infirmière, etc. pour moun yo au lieu pour temps en temps pour porter santé à pour yo, mais santé à l'île là dans mi temps yo li disponible. Parce que l'on vient, on ka vinn jodi a, ou ka fait 3 4 5 6 mois, on pa ka vinn encore parce que pays en pile. Mais si moun nan déjà gon structure qui là, qui ka prend en charge s'il gen s'il gon problème, on pense ça qui mieux. Et ministre va travailler sur ça, moi dans quelle mesure pour santé jalousie a le plus vite que possible ka ouvre. On connaît le gars qui a un problème de budget, même on connaît quand même le ministre qui a dégagé pour voir comment structurer ça, les gars faire le marché. En 2010, je me rappelle bien, la mairie de Gonaïves a été au ministère de l'Intérieur, au ministère des Finances. À l'époque, c'était Monsieur Ronald Baudet qui était ministre, pour signer un accord avec l'AFD pour la construction des infrastructures périphériques à Mont-de-Blanc. Voilà. Et la DINEPA, c'est-à-dire un peu plus tard, a été consultée pour la construction de ce grand édifice que vous voyez là-haut, qui fournit de l'eau à l'hôpital de la Providence et à tous les habitants de la zone. D'ailleurs, il faut vous dire que, à partir de cyclone Anna et Aïe, la ville avait subi un déplacement de la population. La population s'était déplacée parce que la population ne voulait pas prendre de risques, et ça fait que ça explique que il y a cette recrudescence de gens là-bas, et il fallait encore que les gens aient besoin de l'eau. Comme le veut le gouvernement, l'administration Seyan Moïse, l'accès à l'eau potable et aux soins de santé doit être à la portée de tous, et ceci sans condition aucune. En ce sens, nous espérons que les bénéficiaires en feront bon usage. Que chacun, en ce qui le concerne, endosse pleinement ses responsabilités afin de rendre pérenne ce projet dans l'Artibonite et particulièrement au Gonaïves dans la cité de Lady Bodas. Que grâce à notre dialogue de proximité avec l'État haïtien, la coopération canadienne et les autorités locales de la ville des Gonaïves, l'AFD a effectivement accepté de réviser ses objectifs pour répondre aux besoins d'alimenter en eau l'hôpital de la Providence. En Haïti, et ce depuis le début de nos opérations, nous, AFD, en Haïti, il y a plus de 40 ans, l'AFD a alloué des financements pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, en partenariat avec l'État ou ses démembrements, CAMEP et SNEP en leur temps, la DINEPA, actuellement, les ONG, GRET, Focal, Inter-Aide, et j'en oublie, et les municipalités, Jacmel, Cap-Haïtien, Port-au-Prince, aujourd'hui Gonaïves, avec pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. L'hôpital pas qu'à fonctionner sans de l'eau. Yon bloc opératoire dont l'hôpital besoin de l'eau en permanence. C'est ça qui fait que sous tête l'hôpital là, c'est-à-dire en amont même de l'hôpital là, gon réservoir spécial d'environ 100 mètres cubes cap alimenté régulièrement. Mais tout comme m'a demandé mairie, m'a demandé population, mais m'a demandé en particulier l'administration de l'hôpital pour travail ça capable pérenne. Pour grès cochon capable quitte tête li, eh bien, faut contribution yo bay en permanence. Hier, dans lancement fondation qui relait
Fondation Clairé d'Haïti, eh bien, moi t'ai rencontré ministre Santé publique là. Et son occasion que première dame Lantébam qui t'ai invité dans lancement fondation ça en tant que lui-même en tant que présidente d'honneur, eh bien, moi rencontré ministre Santé publique là. Ministre Santé publique là dit DG, mais yo voyé yon bordeau de 300 000 gouttes ba administration l'hôpital là pour administration l'hôpital là payer pour de l'eau. Li di moi comme ça que yo dit comme ça que l'hôpital là pas alimenté par Dinepa. Me dit première dame, c'est demain matin là on va inaugurer un réseau. On croit que faut ou ta confronter information oui parce que si on mande 300 000 gouttes pour payer pour de l'eau, faut connait dans quel moment que yo tap en fait dette ça t'est encouru. Donc je crois que Jean Magis et Jean secrétaire général mairie so dit que à date l'hôpital La Providence a alimenté correctement. Mais j'avais passé instruction au directeur du réseau des Gonaïves, à savoir l'ingénieur Jude Pierre, eh bien, de faire en sorte que l'administration de l'hôpital, eh bien, devienne un client régulier. Faut que vous payiez pour l'eau. Faut que vous payiez pour ce service-là. Jean Camarade l'a saute précisé là pour moi. Papa, c'est la dame.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, chers invités, je suis très honoré de partager avec vous ce moment symbolique qui démontre les relations exemplaires existant entre nos deux pays depuis plus de 60 ans, toute une histoire d'amitié, de solidarité et fructueuse coopération. Cette année était remarquable dans plusieurs sens pour le Japon et Haïti. Premièrement, le Japon continue de pousser ses partenariats avec Haïti, le gouvernement haïtien et le peuple haïtien à travers la stratégie de la coopération avec la République d'Haïti en priorisant ses interventions dans trois grands domaines clés, à savoir la santé publique, l'éducation et l'agriculture. À côté de ces trois axes, nous mettons aussi l'importance sur le domaine de prévention des désastres naturels, tout en respectant les priorités soulignées par Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, Président de la République, en harmonie avec l'agenda 2030, Programme de développement durable à son horizon 2030. Cette année, le Japon a pu lancer plusieurs nouveaux projets en programme tels que l'électrification rurale, traitement des déchets solides et gestion et réduction du risque de désastres naturels, tout en partenariat avec le PNUD, l'assistance alimentaire devenue comme une tradition est aussi maintenue. Le Japon a aussi signé récemment un accord de don pour faciliter la construction et la réhabilitation des routes au bénéfice du peuple haïtien afin de rendre efficace le transport quotidien et promouvoir les échanges commerciaux entre départementaux visant le renforcement de l'économie et de l'agriculture haïtienne. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le Japon est déterminé à être aux côtés du peuple haïtien en soutenant les efforts du gouvernement haïtien sous le leadership de Son Excellence M. Jovenel Moïse, Président de la République, élu démocratiquement avec une prise effective du pouvoir en février 2017 afin de surmonter les différents défis de l'heure et faire face à la situation complexe associé à la conjoncture économique difficile et environnementale sécuritaire. Mesdames et messieurs, cette année a été remarquable également dans le domaine du sport qui a vu le trait d'union parmi le Japon, Haïti et les États-Unis se renforcer suite à la victoire époustouflante de la joueuse de tennis féminin Naomi Osaka, devenu vainqueur de la US Open. Sa récente visite officielle en octobre dernier démontre sa valeur non seulement sur le terrain de tennis, mais également sur l'échiquier culturel dans son rôle de modèle de la jeunesse de nos pays respectifs. Naomi Osaka, depuis sa victoire historique, a beaucoup contribué à répandre le nom d'Haïti au Japon. Et j'espère bien aussi dans l'autre sens. Étant nommée ambassadrice de bonne volonté pour la promotion du sport haïtien par le président de la République, elle va sûrement continuer à attirer notre attention et nourrir nos rêves. Je voudrais saisir cette occasion pour vous rappeler que les Jeux olympiques et paralympiques 2020 se tiendront à Tokyo. Je souhaite chaleureusement une bonne participation et aussi une belle performance des athlètes haïtiens. Je suis très honoré aujourd'hui de prendre part à la célébration du 85e anniversaire de l'Empereur du Japon, Sa Majesté Akihito, du 29e anniversaire de son accession au trône et la fête nationale du Japon. Je voudrais, au nom du président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, du chef du gouvernement, Son Excellence M. Jean-Henri Seyan, du peuple haïtien,
et en mon nom personnel, adresser mes voeux les plus sincères de paix, bonheur et de longévité à l'endroit de Sa Majesté l'Empereur Akihito et de son épouse, l'impératrice Michiko Fuda. Premier ministre, Son Excellence Monsieur Shinzo Abe, du ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Monsieur Taro Kono, du gouvernement et au peuple japonais. Monsieur l'ambassadeur, le comportement responsable des différents des dirigeants japonais et la discipline tenace de son peuple ont permis à votre pays d'occuper une place importante et enviable sur la scène économique internationale. Sa prospérité économique lui a valu d'être placé en tête du peloton des pays les plus avancés et les plus prospères du monde. En effet, votre gouvernement a su mettre en place un nouvel ordre économique et social adapté aux nécessités et réalités nippones, en libérant progressivement son marché tout en augmentant sa compétitivité et sa production pour parvenir à l'édification d'une classe moyenne urbaine et améliorer le niveau de vie de chaque citoyen. Aussi, on voudrais-je de ne pas signaler que le Japon a créé un système dans lequel les droits et les intérêts des minorités sont reconnus et protégés. Au Japon, l'égalité, l'unité et l'assistance mutuelle sont des valeurs dont la culture est encouragée et la pratique garantie. La cérémonie de ce soir me donne l'opportunité de souligner les gestes d'amitié et de solidarité de votre pays à l'endroit d'Haïti. Depuis l'établissement des relations diplomatiques, nos deux pays n'ont jamais cessé de développer leur coopération à travers de nombreux accords et conventions dont leur mise en œuvre s'effectue dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures routières, la santé, l'éducation, l'agriculture, le tourisme et le commerce. Monsieur l'ambassadeur, le gouvernement et le peuple haïtien saluent les actions des autorités et du peuple japonais dans le monde en faveur de la paix internationale, de la démocratie et surtout du développement socio-économique des pays les plus vulnérables. Cette bonne réputation dont jouit votre pays sur la scène internationale est plus que légitime. Le Japon partage en effet son expérience avec d'autres pays en soutenant des politiques visant à promouvoir le progrès économique et à améliorer les conditions de vie des populations à travers le monde. Cette solidarité se manifeste particulièrement dans le domaine agricole par une assistance technique visant à augmenter le rendement des cultures tropicales, l'exploitation des ressources forestières, halieutiques et animales. Monsieur l'ambassadeur, les liens d'amitié et de solidarité qui unissent nos deux pays ont toujours été guidés par un partenariat fiable et la volonté de travailler ensemble au renforcement, à l'élargissement et à l'amélioration de la qualité des relations haïtiano-japonaises. Le gouvernement et le peuple haïtien sont convaincus qu'ils pourront toujours compter sur la coopération du peuple et du gouvernement japonais pour surmonter les grands défis de l'heure. Le Japon est sans conteste l'un des partenaires privilégiés de la République d'Haïti sur le continent asiatique. Le raffermissement des rapports d'amitié et de coopération entre nos deux États revêt une grande importance pour l'actuelle administration. En effet, dans le cadre de la dynamisation du développement d'Haïti, telle que conçue par la vision du président de la République
Son Excellence Jovenel Moïse, à travers l'intensification des activités de la caravane du changement, stratégie d'intervention efficace et efficiente des institutions gouvernementales, le Japon permet au pays de bénéficier d'un programme de développement économique et social assez important. Cette assistance particulière et directe est concrétisée à travers un protocole d'accord signé à la chancellerie haïtienne le mardi 23 octobre 2018. D'un petit message de la vie. La première, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne, elle t'écrasera la tête. Et l'autre parole, je te salue Marie, pleine de grâce. Deux paroles qui se rejoignent. Deux paroles qui adjoignent nous, jeunes l'autre. Parce que, bon Dieu, comme est pour moi, pas jamais manqué pour merci.